Tout le monde assez assassin, nous retrouvons actuellement sur le grand, le magnifique, le grand Midi-Locan. Et aujourd'hui, on va par contre éviter de se faire défoncer la tête, ce serait amusant. Voilà, on va essayer de les prendre un par un parce qu'on est des lâches, les plus grandes lâches de l'histoire. Ça, on avait remarqué, tu sais que je vais te tuer à force. Donc, on va essayer de les rapidement les tuer à coups de chaînes parce que les chaînes, c'est stylé. Pandora's Heart, enfin Pandora Hearts nous avait pas dit le contraire. Non, 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 non. Voilà, je t'ai chopé à 2 cm alors que tu faisais un roulé boulet, tu m'as prise pour qui? Je vais vous tuer, je vais vous tuer. Au pire, je peux les lier et les attaquer en les... Wow, 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 mais calme-toi. Calme-toi, jeune sale bête. Voilà, ça ne veut rien dire, mais je m'en fiche. Peu importe ce que tu fais, tu n'as absolument aucune élégance ni aucun raffinement. Je me désabonne de cette chaîne. Tu fais partie de mon cerveau, espèce d'abruti. C'est pathétique. En attendant, j'ai quand même réussi à l'avoir. Oui, en le frappant au sol, tu parles d'un honneur. Est-ce que toi, t'aurais hésité peut-être à le frapper? Non, je l'aurais juste écartelé lentement pour avoir osé frapper ma noble personne. Ok. Alors, on va tout de suite, par contre, est-ce que j'ai des éclats divins ou pas? Ok, ok, c'est bon, j'ai pas d'éclats divins. Maintenant, je vérifie parce que vu tout ce que j'ai subi à cause de ces saletés d'éclats divins, croyez-moi, j'ai pas envie de le subir. Lui, par contre, on va se le faire. Je sens que ça va être très long, donc il va falloir que j'accélère. Ça... What? Mais qu'est-ce qu'elle fait, ma... Ok, donc faut juste pas que je touche sa lance, en fait. Ok. Mais arrête! Ok, il m'a vu. Il faut que je le tue avant qu'il... Non, non. Mais c'est horrible cette chaîne, sérieux. Elle peut pas rester 5 minutes en place. C'est pire que la chaîne des lumières. C'est pire. Ouais, je regarde Sanseya. Enfin, je regardais. Trop de commercial dans Omega. Aucun respect. Arrête de partir, jeune chaîne. S'il te plaît. Sinon, j'appelle Alice. Là, tu vas voir ça à barber. Donc, on va essayer de le tuer le plus rapidement possible. Je sens que ça va encore prendre d'aller plombe, mais bon. Donc le grand éloquent, éclatant de magnificence, Pandora's Heart. Ferme-la! Oh, tu parles pas comme ça! Parce que tu crois franchement que je vais t'écouter vu tout ce que tu m'as fait subir depuis que tes vidéos ont commencé, hein? D'abord, t'étais pas présente dans ma première vidéo, hein? C'est vrai, j'étais pas là. Pas encore. J'aurais préféré rester dans le fond de ton cerveau, en fait. Parce que, en fait, tu parles pour rien dire, c'est ça? Tais-toi et tue-le! Allez, on l'attaque, on le tue, on le décapite, et puis après, on mangera sa chair, et puis. Et Elena? On s'en fout d'Elena! Alors. Y'a plus aucun respect, même Elena s'est insultée. C'est quoi la prochaine étape? On va insulter Magda? Oui! Ok, y'a plus aucun respect, c'est bien ce que je dis. Par contre, pourquoi Pandora's Tower? C'est la question. Là, j'avoue que le scénario m'a pris un peu. Parce que Pandore vient normalement de la mythologie grecque. Oh oh! Non, en fait, je sais pas, je dis ça comme ça, tu vois. La fille trop habituée au Saint Seiya, elle vient de la mythologie grecque. Ferme-la, ça n'a rien à voir! Espèce de païenne! C'est totalement ça. Pour une athée, je m'en sors pas trop mal, je suppose. Ça n'a rien à voir, en fait. Je vais me perdre. Alors on va continuer de le défoncer, voilà, t'as vu ça, c'est l'armée ninja, j'arrive à te frapper sans que toi tu puisses me frapper, oui, hop, je te frappe, et oh, on l'a eu. On a mis combien de minutes pour la voir? Attends, des crocs de bête? Ah non, moi je veux pas des crocs, moi je veux ta chair, voilà, je voulais ta chair, moi, tu m'as déçu, voilà. Ouais, donc ouais, j'avais oublié ça. Système de déverrouillage parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Normalement, j'aurais dû publier cette vidéo juste après celle sur Xenoblade Chronicles. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion. Voilà, hein, voilà, je préfère vous le dire parce que je suis quelqu'un de très honnête. Voilà. La porte est ouverte, on passe là et on va détruire la chaîne. Oh, oh, tu vois, chaîne, tu n'es plus là, tu n'es plus parmi nous. Au revoir. Ah, une minute de silence. Alors là, c'est déjà, je le sens pas. Oui, qu'est-ce qu'elle a, Elena? Ok, elle est en train d'écrire. Oh, mais elle est trop mignonne quand elle fait ça. Par contre, t'es moche avec les yeux rouges, hein. Je te dis ça tout de suite, les drones. T'es moche avec les yeux rouges. Le point de sauvegarde est passé. Impec. Ça veut dire que même si je perds, je régénère ici. Ouais, ok, il va me falloir une clé. C'est la deuxième fois que tu le dis à Iron, je crois que tu es devenu aussi débile qu'un héros de RPG. Oh, oh. Deuxième insulte gratuite de la vidéo. Donc, où faut-il que j'aille? Oh, mais c'est tellement moche cet endroit. Enfin, le jeu n'est pas moche, hein. Il est même assez beau pour un jeu, oui, c'est pas ça. Mais c'est tellement moche cet endroit. Un grand volume d'eau coule constamment ici, blablabla. Selon les deux phonies, blablabla. Dans le même temps, des voix d'eau se coulent, blablabla. Voilà, je me tais parce que de toute façon, j'arrive pas à prononcer deux mots correctement. Ouais. Bah, de toute façon, vous arriverez pas à lire en bas vu que la... c'est pas la caméra qui scalpe, hein. Enfin, si, là, c'est en partie de la caméra. Mais c'est aussi ma télé qui scalpe la moitié des dialogues, hein, donc. Si vous n'avez pas vu la moitié des dialogues dans Xenoblade, c'est plus ou moins normal. C'est de 1 parce que je sais pas cadrer, et de 2 parce que ma télé est vieille et les jeux sont pas forcément adaptés. Voilà, c'est pour ça. Voilà, je vous dis mes 4 vérités, vous en avez rien à foutre et moi non plus. Les Léos, plus de Léos, et pourquoi cette fontaine ne s'active que la nuit? Je ne comprends pas. Enfin, je suppose qu'elle s'active que la nuit parce qu'on doit être en plein jour vu comment il fait clair. Je suppose. Donc, je sais pas si la qualité est un peu meilleure que d'habitude ou pas.
Ben, j'espère pour vous, en tout cas, hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? J'espère pour vous. Voilà. Parce que je suis pas trop méchante non plus, quoi. Ok. De l'eau, oui. De l'eau. Et ça fait tourner la grande roue. C'est génial. Ça va changer quoi? Il y a un truc sur lequel je peux m'accrocher sur la roue, c'est pour ça? C'est ça, non? Non, je sais pas. Ok, il y a une porte avec des mécanismes totalement chelous. Ok. Ok. Je suppose qu'il y a un truc... Voilà, je l'avais dit, il y a un truc sur lequel m'accrocher. Attends, 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 vite, 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 vite. Faut que je m'accroche, pas m'accroche. Voilà. On va devoir faire un tour complet. Oh, ma Aeron, mais t'as tellement du courage. Moi, j'aurais tellement le vertige. Ouais, moi, j'ai le vertige, ouais. J'aurais tellement flippé en m'accrochant à ça. T'es tellement un BG. Enfin, tu vois pas Shulk quand même. Parce que Shulk, il aurait pas juste... il se serait pas juste accroché. Lui, il aurait carrément fait des jumps de ouf, je suppose. Mais bon, c'est Shulk. Toi, tu n'es qu'Aeron. Voilà, encore une insulte gratuite dans la vidéo. Mais... Allez, vas-y, Aeron. On monte encore. Il nous faut encore monter. J'espère qu'il y a un truc sur lequel m'accrocher, par contre, parce que je fais pas au pif, moi. Je suis pas comme ça, je suis pas un singe. Enfin, si, quand même, quand je suis au cas d'Aeron. Wouh ! Putain, mais c'est carrément risqué, mais c'est trop stylé. C'est tellement stylé. La meuf trop fière. Oui ! Et on casse tout, parce qu'on est des délinquants. Alors, c'est la dissidence totale. Du Vitalium, j'en ai rien à foutre, je voulais récupérer des baies de dryades, moi. Parce que les baies de dryades, ça me permet de régène. Et vu comment je prends face aux ennemis, ça peut servir. Sérieusement, on dirait pas comme ça, mais il est assez dur le jeu, en fait. Les ennemis sont limite increvables, ils te foutent des patates de malade. T'as une durée de temps limitée, franchement, le jeu est pas si mal, en fait. C'est pas la première fois que tu le dis. Ouais, mais c'est pas la première fois que non plus qu'il y a des gens qui vont me dire « Mais ça sert à rien de jouer à un jeu si tu le détestes !» Donc je dis, le jeu, je l'aime bien. Voilà, j'ai beau l'insulter tout le temps, je l'aime bien, ce jeu. Mais bon, c'est une marque d'affection quand j'insulte les jeux, en fait. Plus ça va, plus je me dis que t'es bizarre. C'est sûrement pas la première fois que tu le dis non plus, donc faudrait penser à changer ton disque, ma vieille, voilà. Et toi, faudrait que tu penses à changer d'orthophoniste. Je te déteste. D'autant que je ne suis jamais allée chez une orthophoniste, c'est ça qui est assez chelou. Arrête, saleté. Va crever. Oui, meurs. Vas-y, je te frappe à terre, moi. Voilà, aucune pitié. Il va crever, le grand os. À quoi ça va nous servir, les grands os, ça? Ok, donc j'ai ma vie. Ah, j'ai ma full vie, ok, ça va. Ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire, et je m'en fous. Source mon poisson. Les gardes qui patrouillaient avaient l'air de s'ennuyer, alors j'ai décidé de leur montrer le poisson sur lequel je fais des recherches. Ok, comme je voulais les étonner encore davantage, je leur ai expliqué un peu sa puissance extraordinaire. C'est alors un des gardes m'a dit, c'est bien gentil tout ça, mais si vous le sortez de l'eau, il se retrouve sans défense. Je leur ai demandé s'ils voulaient tenter l'expérience, ils ont vite arrêté de rire. Po, 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 oh, la violence. c'est énorme. Oh là, oh, je le sens pas. Oh, je le sens. Salut. Tu n'as pas l'air très amical, comme toutes les bestioles dans ce jeu. Encore un point de sauvegarde passé. Parfait. Perfecto. Encore un point de sauvegarde. Génial. C'est des points de sauvegarde tous les quarts d'heure, c'est parfait. Même si ça fait sûrement pas un quart d'heure que je joue, c'est pas grave. Ouais, par contre, il faudra que je fasse plein d'ellipses parce qu'à tous les coups, je vais encore me planter. Oh, salut. Le poisson. Sérieusement, au lieu de courir comme un abruti, il pourrait pas lui donner de la bouffe à ce pauvre poisson. Je suis sûre qu'il serait très gentil si on l'apprivoisait. Oh non, il y a un éclat divin. Faut surtout pas que je le récupère, sinon je vais encore faire la bêtise d'activer tous les objets. Et je vais me retrouver à un endroit où je ne veux pas être. Voilà. Deuxième rapport de la recherche, maître de la pointe de la source, mouvement de la chair du maître. Oh non, sérieux. Oh non, j'ai encore morflé. Mais c'est n'importe quoi, c'est quoi ce cheat? Le premier boss, il était facile comme tout. Le deuxième, c'était un titan. Le troisième, c'était... Attends, on a pas fait le troisième, là. Si, le troisième... Non, je sais plus, en fait. Je sais plus si ça fait 3 ou 4... Si c'est la troisième ou c'est la quatrième tour. En fait, je m'en fous. De toute façon, le jeu, il passe si mal. Donc, voilà, je suis contente, quoi. Ah, j'ai cru que j'allais pas y arriver. J'ai cru que j'allais pas y arriver. Je stressais comme une grosse barge. Allez, Aeron, balance-toi. Envole-moi. J'avais pas le droit de faire cette vanne, je l'ai fait quand même. Voilà, on a atterri. Par contre, j'ai failli retomber par terre, j'ai failli remonter et tout, ça aurait été horrible. Mon cher petit Aeron. Alors, oh non, il y a des bestioles de l'enfer en haut. Hop là, on régénère un peu sa vie, parce qu'on vaut bien ça. Ah, on va se faire de l'XP, qu'est-ce que tu veux que je fais? C'est génial, le sang il est violet, c'est bien dégueulasse et tout, c'est génial. C'est génial, ce jeu est vraiment gore pour un jeu, oui. C'est ça qui est génial.
Oh, waouh, mais je ne te permets pas. Et toi non plus, je te permets pas. Tu me frappes si tu veux, mais je te permets pas, tu vois. Comment je parle? Mais comment que je parle, moi? Alors, oui, l'écran est bien scalpé, du coup, vous ne me voyez pas forcément. Et j'arrête pas de faire des roulades. Trop de puissance pour toi, gros. Voilà, on va s'en profiter pour les frapper, tandis qu'ils sont liés. C'est trop pratique, la liaison en table. Ouais, vous êtes coordonnés, en plus, les gars. Ça les a liés pour l'éternité. C'est horrible. C'est magnifique. Alors, on va les tuer, on va les tuer. Hein? Est-ce que c'est pour ça qu'on est venu? On veut des morts, on veut du sang, de la souffrance, on veut des monstres morts, oui. On en veut plus. Plus de fluide. La psychopathe. Bah avec ton regard de psychopathe au dernier stade de la démence, faut pas trop s'étonner en même temps. C'est celui-là que tu veux parler? Non. Ok, merci. Donc ici, on a la grande porte, qu'il y reste encore une chaîne, donc je suppose que la chaîne est sur le côté. Ok, on va y aller. Allez, mon petit Iron, tu cours plus vite, s'il te plaît, sinon j'appelle Shulk et il déblaye le passage à coup de molado. Ah, ça n'a aucune logique, je m'en fous. Alors, on ouvre la porte. La porte. Ah, j'adore faire cet accent, c'est génial. Donc il y a un truc là, c'est quoi? Une écaille irisée. À quoi vont nous servir ces écailles, sérieux? À faire de l'alchimie? Non, ça ne sert absolument à rien. Donc, où qu'on va? Où qu'on va? Eh bien, je propose qu'on aille à un endroit. Un endroit, je ne sais pas. Voilà, hein. Je dis n'importe quoi parce que j'ai plus rien à dire. Voilà. Bon, je veux continuer ce let's play, je veux le finir. Je veux savoir pourquoi les tours s'appellent les tours de Pandore. Je veux savoir pourquoi il y a un royaume qui s'appelle Illyria comme on se rame dans Dofus. Je veux savoir. Enfin, je joue à Dofus, je ne joue plus. Je veux savoir tout cela, je veux tout savoir. Parce que je fais partie de la Himitsu Kaitsatsu, je veux savoir. Ah, la fille qui dit tout et n'importe quoi parce qu'elle est stressée. Je veux savoir. À ce moment-là, vous me direz pourquoi ne pas aller voir Hermaeus Mora et ouvrir le livre interdit, mais... Je vais éviter, parce que si jamais je lis tout, voilà. Ce n'est pas possible de tout lire. Sinon, je meurs. C'est bête. C'est très bête. Alors ici, on a des chaînes absolument magnifiques. Oh oh. On a une porte tout aussi magnifique. Hein? Voilà. Hop, on va l'ouvrir. Porte. Genre, bats les steaks, je l'ouvre quand même la porte, tu vois. Alors, on ouvre la porte. Voilà. Eh bien, ah oui, c'est vrai, j'avais toujours oublié, il n'y avait pas de cinématique quand on le disait. J'avais toujours oublié, en plus j'ai dit... La liste en France, elle m'a dit ça, c'est à moi que tu dis ça. Ouais, c'est clair, vaudrait mieux que je dise à la Marseillaise, c'est plutôt elle qui a besoin. Eh, mais de quoi vous parlez, vous? Vous parlez pas comme ça de votre aîné. En quoi t'es notre aîné, d'abord? Je me doutais que ça finirait comme ça, de toute façon, ça finit toujours comme ça, voilà. Alors, le balancier... on va s'y accrocher. Oh oh, ça rime. Alors, on va descendre. C'est infernal. Ah, je crève de chaud. Sérieusement, je déteste l'été. C'est une chanson, ça? Oui, c'est une chanson. C'est Kagero Project. C'est Kagero Days, si je me souviens bien. Ça dit je déteste l'été, puis il se fait shooter par une bagnole, tranquille. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description de Kagero Days. Je vous mettrai la version d'IA parce qu'elle arrache bien les oreilles. Non, je vous mettrai la version de Cassane Teto, elle arrache encore plus les oreilles. Pourquoi tu parles que des vocaloïdes alors que t'écoutes aussi du métal? Parce que c'est du soft metal. C'est pas du soft metal, c'est du soft metal. Ok. La meuf trop fière. Ok, donc il me faut une clé. Donc il me faudrait une clé. Certes. Et je peux pas frapper ici, je veux passer. Ok, on s'en fout. Donc on va repasser sur le balancier. Ah, le balancier. Je vais pas faire cette vanne, je refuse. Voilà, on tombe en mode balistec. On commence à courir comme des autistes. Voilà, il y a eu une petite ellipse encore. Ce qui explique pourquoi le rocher n'était pas présent dans ce plan. Et hop, rocher au ralenti, la slow motion, c'est trop stylé. Ça n'a aucun sens. Et donc, oh, le balancier, voilà, gentil petit balancier, c'est tout ce que j'ai à dire. Oh, lui aussi me balance du liquide, j'aime pas ça, j'aime pas quand on me balance de l'eau à la tronche, hein, voilà, j'aime pas du tout ça, je préfère le dire. Bon, alors on va s'interrompre dans pas longtemps, je suppose, par contre, oh non, les monstres, ils ont déjà ripop, mais non, mais c'est n'importe quoi, faut pas déconner, enfin bon. Nous arrivons devant la grande porte, donc je vous dis sayonara, chers abonnés.